et Bantu, les promis. Et donc, c'est en nous, les choses se sont concrétisées convenablement. Ainsi donc, le chiffre 6. Nous, les chiffres, c'est le chiffre, comme disent les Arabes, le vide. Non, nous, c'est pas un vide. Nous, au départ, on appelle ça Ntalou, en Congo. Ntalou, en faisant usage du principe de Mandombe, en faisant ce qu'on appelle le verlan, en lisant dans l'autre sens, il y a un monsieur que j'ai rencontré hier, un certain Alain, hier, sur la place publique de Dijon, qui m'a parlé d'un mot. Il dit, les mots, il y a des mots qui se lisent de gauche comme à droite, de droite comme à gauche, ils ont le même sens. Il a utilisé un terme que j'ai appris hier, d'ailleurs, je le remercie pour ce monsieur, pour cela, monsieur Alain. Il y a un mot qui existe en français qu'on appelle j'ai oublié, mais c'est pas grave, je veux peut-être le trouver parce que je l'avais écrit. Le mot en question, ça se lit, le mot palindrome, c'est un mot, le palindrome, voilà, un palindrome. Un palindrome, c'est des mots ou un groupe de mots qui peut se lire indifféremment, de gauche à droite ou de droite à gauche, en gardant le même sens. Vous voyez? Un palindrome. Par exemple, un exemple, quand j'écris par exemple la phrase « La mariée ira mal », vous pouvez le lire dans l'autre sens, ça sera la même chose. Faites l'expérience. « Roma à mort », c'est la même chose. Et donc, les palindromes, le mandom, le pakunungu pelekete, c'est comme l'autre phrase qui me revient à l'esprit, je lis ici, Noël a trop par rapport à Léon. Noël a trop par rapport à Léon. Trop de T-R-O-P. Quand vous lisez dans le sens, ce sera la même chose. C'est le même mot, c'est la même phrase qui sera qui dirait de gauche à droite. Et j'étais heureux de rencontrer ce monsieur parce qu'hier, j'avais mon amant, mon blazer du Mandombe, et c'est grâce à il a découvert le spa qu'on nous rappelait qu'il m'a posé, il était le Gaulois, le Caucasien en question, était curieux de savoir ce que ça voulait dire. Je l'ai expliqué, on a commencé à échanger. Et j'ai appris ce mot-là. Donc, grâce à le pas qu'on nous rappelait qu'il que je portais, j'ai appris quelque chose. Le palindrome, c'est-à-dire que c'est des mots qui... Donc, le pas qu'on nous rappelait qu'il c'est un palindrome. Chez nous, quand tu regardes le 5 et le 2, quand tu mets le miroir au milieu, le pas qu'on nous devient pelekété, le pelekété ne devient pas qu'on nous. Donc, Tata Kimbangu de dire à Pua Belajo, Ntalou Zazole Mouene, Ntalou, Louvangila Diabio, Louvui Dimfounou, Mou activité matérielle. Ces deux éléments que tu as découvert sur le mur de briques, tout ce que vous aurez besoin d'activité matérielle, vous allez trouver grâce à ces deux éléments-là, commencez à l'étudier. Ainsi, Pua Belajo, commencez à étudier cette science, ces deux éléments, et ça donne toute l'écriture complète. Alors, qu'est-ce que voulons signifier ici aujourd'hui? On est le sixième jour. Le sixième jour, on est à six jours plus tôt de l'événement, de la forme physique de Dieu, le Saint-Esprit qui va sous le soleil. Donc aujourd'hui, on est à six jours. Papa et maman. Et donc, moi, j'avais fait une recherche et j'ai fini ma thèse à l'Académie française, à l'Académie de Mandombe, s'il vous plaît. L'Académie de Mandombe à l'université Papa Simon Kimbangu à Kinshasa. Où j'avais expliqué, papa, ma recherche, le Mandombe, c'est une science, Zahi, qui veut dire savoir. C'est la mathématique. Parce que la mathématique, c'est une partie de son science. Mathématique veut dire mathématicus, ça veut dire savoir. Et les deux éléments fondamentaux dans le pas qu'on nous rappelle les guettés, en Congo, on appelle ça. Donc, d'après ce que papa Belajo connaissait dans son projet, c'est des chiffres, il avait appelé des chiffres. Donc, des chiffres veut dire une talou. Oh, Mandombe, moi j'avais dit Mandombe. Mandombe. I Ntaloulou à Mambumunza. C'est la manière d'observer les faits ici-bas sous le soleil dans ce monde. Parce que les inventions, c'est de l'observation. Mais observer, il faut avoir maintenant le rapport avec celui qui a fait les matières à soi pour que tu disposes quelque chose afin de porter une nouvelle donne.
Donc, inventer quelque chose qui va aider la société dans le bien, dans le vécu. Voyez-vous? Ntalusa zole mwene. Ntalu. Louvangila biabio. Louvuidimfunu. Mou acte matériel. Voyez-vous? Donc, Papa Simon Kimbangu, dans un amour majestueux, est venu donner ces chiffres. 6 jours de l'arrivée du Papa Simon Kimbangu ici sous le soleil. Jour J moins 6. 6, 9, 6, 9. Papa Kimbangu est le chiffre 9. Et oui, mes amis. Il a fait de sorte qu'un humain, dans son corps humain, ait 9 orifices. Vous pouvez les compter. Il a décidé, pour une gestation normale d'un enfant dans le ventre de sa mère, c'est 9 mois. Et lui, le corps qu'il a pris, le premier corps qu'il a pris sous le soleil, c'est ce qu'on appelle le puta. Après avoir décidé de se transfigurer, on peut pas se moquer de Kiangani, le 12 octobre 1951, en fermant l'œil gauche, le droit ouvert, il est allé rester sous terre pendant 9 ans dans le cimetière de Sapin à Lubumbashi. C'est tout ce qu'on appelle, cette ville qu'on appelle Lubumbashi, mais ce n'est pas Lubumbashi, mais Lubumbashi. C'est des choses que nous sommes contre, notre autorité au pays. On va changer ces qualificatifs-là. On va donner les qualificatifs appropriés. Lubumbashi. Je veux bien rappeler que c'est le terroir de Papa Simon Kimbangu qui avait décidé cela ainsi. C'est là-bas qu'il est allé garder son corps, Lubumbashi. Il a gardé ce territoire. Donc, ce Congo-là, on ne pourra jamais le morceler. À Berlin, ils avaient réussi de nous morceler. Mais tel que nous travaillons actuellement, jamais, plus jamais, quelles sont les infiltrations de l'Est Kagame pourra bon faire, je vous permets de le citer, il est utilisé par les occidentaux, il est ignorant. Le RD Congo, jamais, au grand jamais, Papa Kimbangu, à Lingaki Congo, à Lingaki Mboka, Wana, il avait Lingaki. Si vous regardez son parcours, quand il fut arrêté le 12 septembre 1921, injustement condamné à mort, déporté à des kilomètres, il a fait le tour par le haut, il avait parcouru tout le territoire. Donc, il avait bordé à Lingaki. Fini. On ne pourra jamais diviser ce territoire. C'est la chambre dortoir, Tata Kimbangu. C'est le seul pays au monde, selon les décisions de Berlin. 9 pays entourent ce territoire. Notre territoire. L'abdomen de Tata Kimbangu, son ventral. Parce que sa tête, c'est Yayakanda, Angola. Et les pieds, c'est le petit Congo. Papa et maman. Jour J, moins 6. L'importance des chiffres. Ndalou. C'est vrai. Aujourd'hui, en marketing, tout ce qu'ils font, la comptabilité, s'il n'y a pas de chiffres, ils ne peuvent rien faire. Or, ici, Papa Adrien Fouakasumbu, je vous recommande de trouver ce livre. Je vais vous faire état de quelques éléments, si Papa Simon peut le permettre, de vous faire état de son article qu'il a publié dans notre compte. Papa Adrien, si tu le permets. C'est son livre qu'il a écrit. Le livre s'appelle, je le répète, Le principe à l'origine de l'écriture Mandombe et ses implications. Papa Adrien Fouakasumbu, reçoit l'écriture africaine Mandombe ici en France. Papa Adrien, on va le parcourir. Il est distribué quoi? Ici, je disais tantôt, le chiffre. Qu'est-ce que c'est que le chiffre? Aux origines des chiffres. Nsasa Antalo Boyinina. Mamouilou. Nsasa Antalo Boyinina. Mamou, wenda kuna kuiza ko mama. Wenda kongu diya. Wenda kongu mame. Dolo kongu diya. Wenda kongu mame. Kuiza. Excusez-moi. Aux origines des chiffres. De l'os du Shango aux abords de la rivière Semiliki en République démocratique du Congo au chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Papa Adrien Fouakasumbu nous dit ceci. De la numération au bassin du Congo à la propagation
à la propagation. Ah, est-ce qu'on peut travailler comme ça vraiment? Mamouilou. Oui, ça bagarre le moine encore vraiment. Ah. On a compté mon image. On a compté mon image. Je m'excuse. Je parle des chiffres ici parce que je voudrais bien faire état cet article parce que tu disais tantôt, les chiffres sont très importants dans cette science, cette nouvelle pour le développement du continent africain. Et là, nous voulons préciser, rappeler certains éléments que tout est notre au départ. Tout nous appartient au départ. Mais il y a eu ce qu'on appelle le stolen legacy. Il y a eu un vol. Alors, de la numération au bassin du Congo à la propagation des nombres en Afrique. Ça, c'est le point A. Le point B, de l'éclosion des chiffres en Égypte à leur évolution en Inde. Et le point C, des chiffres indiens aux chiffres arabes. Et le dernier point, le point D, de la propagation des chiffres par les Arabes à la diffusion universelle par l'Occident. Donc les Européens, et c'est là où j'ai toujours regretté par rapport à ce qui se passe souvent entre la pratique chrétienne, parce que les Européens, leur fondamental, c'est le Christ, c'est Jésus. Les Arabes, leur fondamental, c'est Mahomet. Là-bas, en Orient, je vous ai fait le document d'hier concernant les Africains qui vont chercher le bien ailleurs, alors que le bien est à côté d'eux, notamment en Afrique centrale. Et nous, on a attaqué Mbangu, justement, l'Afrique. L'Africain, ton regard doit se porter vers Nkamba, l'Afrique centrale, et non de l'importation inappropriée. Parce que chez nous, on dit Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. Et nous, on a attaqué Mbangu. Et on t'attaque Mbangu, se résume tout, absolument tout. Et donc, je disais tantôt, les Européens, nos enfants, que j'appelle les Bassimbissa, l'ordinateur, tout ce que nous voyons, les chiffres, c'est un quart qu'on nous a fait tenir. Parce que le Christ, c'est Jésus, quand il a donné le relais à Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu dira, moi Kimbangu, les quatre coins du globe terrestre m'ont été confiés. Ça m'appartient dorénavant. C'était là-bas à Ongoka, quand il a visité ses enfants, en 52. Il a paru là-bas, Papa Simon Kimbangu. Le 29 juillet, 52. Il dit, moi Kimbangu, moi là-bas à Congo. Donc les quatre coins du monde m'appartiennent. D'où le pan qu'il portait à l'époque. Parce que le teuf qui portait le pan là à quatre coins. Nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas d'échappatoire. Les quatre cardinaux lui appartiennent. Le stellaire qui s'est manifesté le 3 septembre 1910 sous la voûte de Kamba, et on ne changea pas Papa Simon Kimbangu avec son collègue Papa Kumpenda dira, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau 1918. Et ce n'est pas Diagenda Kesune qui était né en ce moment-là, le 22 mars, à la place de la carte d'Afrique, où est apparu le 3 février 1989 cette monticule qui avait formé la carte de l'Afrique. Allez en Kamba, vous allez trouver cette place-là. Et c'est là où fut créé le premier humain. Kakamuki fut tiré de là-bas, de cette terre, cette place-là, à part de l'Afrique. C'est là-bas qui fut créé, papa Adam. Je reviens. Les chiffres. L'Occident a un problème parfois avec le monde, spirituellement parlant, avec le monde arabique. Ils viennent poser des bombes ici, ils tuent les gens d'une manière. Ils ont un divin inapproprié.
Parce que Mahomet, ce n'est pas le cité dans son égire, parce que c'est notre fils Mahomet. Il dit bien, il est né dans cette pratique issue de Ismaël. Ismaël, il avait un don. Parce que c'est vrai qu'il est né dans des conditions inappropriées, mais il a donné l'islam. Mais son travail, quand il inspire Mahomet, Mohamed, quand il dit le Dieu, il a inscrit un Dieu. Ben oui, parce qu'il croit que Abraham, il avait à l'époque Abraham, il y a qu'un seul Dieu, le Dieu. Il est unique, mais il est en trois. Mais eux, ils ne connaissent pas ça, eux. Ils ont dit Jésus-Christ, c'est Issa, c'est rien. Il ne compte pas. C'est un prophète comme Mohamed. Ou Mahomet. Et Mahomet, il a échappé. Belle. Son action, au départ, on pouvait le louer. Mais il n'a pas supporté. Il a fait ce qu'on appelle l'égire de la Mecque. Et oui, il a fui. Il s'est échappé. Contrairement à Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, malgré le 6 avril, c'est vrai, il s'est échappé. Il dit que moi, je n'ai pas encore fait mes 5 mois. Parce que moi, j'ai dit en 5 mois. Les 5 en moi. Bangomita no Katinangai. Le stellaire à 5 branches. Les 5 mois. La forme est un peu inversée. Il faut vous montrer ça ici. Les 5 mois. Et le 12 septembre, il est sur Mathieu. Il n'a pas fui sa mission. Il a accepté la souffrance. 30 ans de prison. Dans une cellule qui mesure 1m80 sur 86 mètres de large. Tous les jours, il était flagellé de 120 coups de fouet. Mais Mohamed avait fui. Il s'est échappé. Et oui, mes amis, c'est ça. D'où après l'inspiration, puisque tu n'as pas réussi ta mission. On force les gens, non. Le libre arbitre. Dieu donne à tout un chacun sa disposition. Parce qu'il y a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui exécute l'ordre de son père. Papa et maman. Les chiffres, les chiffres. Le chiffre est l'une des plus extraordinaires créations de l'intelligence humaine. Il a fallu de nombreux essais et un temps très long pour que se mette en place la notion de chiffre. Les chiffres modernes que nous appelons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mettez mon compte maintenant, tu as de voix. Tu as attaqué sur lequel? Tu as attaqué sur lequel? Tu as attaqué sur lequel? Parce qu'on m'a nommé le commencement, c'est un triangle équilatéral. C'est papa qui solo kele, papa de Lungana, papa de Ngina. Dans la lettre K. K de Tata Kimbangu. K de Tata Kiangani. K de Tata qui solo kele. K de Tata Kuntima. Et oui, mes amis. Tata qui solo, donc le triangle équilatéral du départ. Papa qui solo kele, papa de Lungana, papa de Ngina. Il y a le Yeka, Moussi, Zole, Tatu, Ya, Tanu, Samanu, Nsambodia, Nana, Voix Dieto, ce qui nous appartient. Ça s'arrête là. Parce que ce qui suit après, ce qu'on appelle des nombres. L'association de deux chiffres qui donne 10, 11 et ainsi de suite. Mais fondamentalement, il n'y a que le commencement. Donc, papa qui soit le papa de Longana, papa de Ngena Guntima. J'appelle le Kididi. Après, il y a le Mossi, le Zole, le Tatou, le Ya, le Tanou, le Sambanou, le Sambouali, Nanavoa et Voix. Tout le monde ici. Même. Donc, au commencement, ce n'est pas le vide. Tel qu'ils disent les Arabes, c'est ferré, le vide. Ce n'est pas un rond, non. C'est un delta. C'est un triangle équilatéral. Dans le Mandombe. Oui, dans le trois quarts. Dans le un quart, vous faites un rond. Non, ce n'est pas le Toyubou. Non. C'est pas un vide. Parce que Agar, Ismaël, avait profité du vide qui avait entre Abraham et Sarah. Et Agar a profité. Donc l'esprit, quelle inspiration c'était, je ne vais pas mettre en doute, a agi en maman
Sarah, parce qu'elle n'était pas patiente, elle n'a pas cru à la promesse divine. Eh bien, maman Sarah, le vide, toujours le vide. Satan, on dit souvent, la nature a horreur du vide. D'où ils disent après, dans leur exégèse explicative du Coran, il y avait un vide. Ils appellent des djinns, des consorts. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais chez nous, il n'y a pas un vide. Au départ, la création, c'est l'œuvre de notre modèle politique. Papa qui est sur lequel est loqué. Et oui, mes amis, Dieu le Père, le fort, c'est-à-dire Charles, le fort, qui est un prénom d'origine germanique, veut dire car, dire le fort. Wangolo, et oui, à 7 ans jugé, mais il n'a pas cédé, il n'a pas craqué. Il a dit toute la vérité que mon père a accompli des actes. Dieu aussi l'a beau influencé. Qui est selon quel est? Alors, dis, est-ce que ton père? Oui. Solo nanga eko zala se solo eko bongwana lokutate ludikame et ludia songa kyo munza. Il a dit la vérité. Mais aujourd'hui, d'aucuns viennent s'approprier du terme, du qualificatif de Kisolo Kele. Mais ils se révèlent dans le mauvais camp. Tu peux être Kisolo Kele, d'accord. Mais quel est Kisolo Kele? Est-ce que tu le révèles dans les bonnes manières? Ou dans l'affrontement contre un Kamba? Tu peux être Kisolo Kele, mais Kisolo Kele, Kisolo Kele toi? Kisolo Kele toi bien, mais non, Kisolo Kele mon mauvais. Ntalou, les chiffres. Nous, on revient. N'chalouzazo les moines. Donc ici, les chiffres, ça part de la Trinité céleste. Papa qui solo kele, papa dit on n'a pas d'angela, le kididi. Je dis bien, chez nous, on m'a nommé le commencement, c'est un triangle quilatéral. C'est-à-dire un triangle qui a trois côtés égaux. Parce que les trois, la Trinité, papa qui solo kele, on ne peut pas les séparer. Dans leur action ministérielle sur terre, Satan avait essayé. Le malheur à Lucifer, c'est que physiquement, c'est vrai qu'ils avaient des formes physiques différentes, mais génétiquement parlant, ils avaient les mêmes chromosomes. Et oui, mes amis, le X de Kakamui Lukiawanga qui est descendu, on ne peut pas qu'il soit lequel est. C'est le X qui avait dans papa de Longana, c'est le X qui avait dans papa d'Yengenda. Le Y, le patrimoine génétique qu'ils ont récupéré de leur père, papa Kimbangu, c'est le même Y, là je parle de la génétique, hein. C'est le même Y qui est descendu au papa Kisolo Kele, le même Y qui est descendu au papa Dialungana, le même Y qui est descendu au papa Diangenda. Et donc les gens ont voulu faire les séparer parce que les gens colportaient. Ils quittent papa Kisolo Kele, il va dire des choses. 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 Et du coup, ils cherchaient à les diviser. Mais rien à faire. Ils formaient une seule personne. Mais, je vous une parenthèse, si vous le permettez. Arrivé dans la postérité d'un voilà, c'est-à-dire les enfants issus de Papa Kisolo Kele, les enfants issus de Papa Dialungana, les enfants issus de Papa Diangenda Kuntima, ceux-là, ils ont un souci, biologiquement parlant. Mais oui, mes amis, s'ils pouvaient hériter le patrimoine génétique du point de vue du père, mais Maman Tsalulu Akanda est venue avec un autre X. Maman Kiwa Sisiloa est venue avec un autre X. Maman Mvete Bibi, paix à leurs âmes, est venue avec un autre X. D'où Papa Diangenda dira à sa postérité le 25 mars. Date notre anniversaire, nous les médias qui mongissent, parce que nous on est nés les médias qui mongissent, le 25 mars 1960, date à laquelle Papa Diangenda Kuntima dispose la caméra à Papa Kalamvuila afin de filmer les images d'exhumation du corps qui n'a pas connu de corruption. Ce corps incorruptible, en lui, c'est exécuter les prophéties du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 jusqu'à la fin, où il est dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux. Ce corps qu'il a exhumé le 25 mars 1960 à Lubumbashi,
au cimetière des sapins, le corps-là ne se mélange pas avec la terre. Il transpire. Ce corps-là, il vit dans le sanctuaire sacré de Kilongo. Le Kilongo. On ne dit pas mausolée. Mausolée, c'est mausole. C'est un turc. Nous, c'est le Kilongo. Il faut que les gens adoptent et s'imprègnent de notre jargon communicationnel. Les termes inappropriés, ce n'est pas convenant. C'est le Kilongo. Dans le Kilongo, Kinakanglongo. Dans l'ongo, dans Ngolo. Ngolo Yilongo. Et donc, le 25 mars, notre date de naissance, nous les médias, ce corps-là est rentré en Kamba le 3 avril. Il est dans le sanctuaire en hauteur. Vous savez, d'autres corps qui sont dans le sanctuaire de Kilongo sont en bas. Mais lui, son corps est élevé. Papa Simon Kimbangu. Et donc, le 25 mars, notre date de naissance. Et donc, le 25 mars, Papa Diangenda Kuntima, dans la résidence Kazavubu. La résidence qu'on avait conçue pour Kazavubu à l'époque, on appelle généralement Abissi Mokoto, là-bas en Kamba. Il réunit sa postérité. Même les infiltrés étaient à l'intérieur. Et oui. Et ça va, Papa Kisolokele, Papa Delonga, ils ont élevé des enfants. Et donc, parmi les infiltrés, ils sont tous réunis là-bas. Il leur a dit des choses. Si vous vous contentez de votre corps physique, vous ne pouvez pas former l'unité. Vous pouvez former l'unité que par rapport à la spiritualité. Donc, spirituellement parlant, dorénavant, dormir à Kinshasa, c'est lever en Kamba. C'est lever en Kamba, dormir à Kinshasa. Dorénavant, moi, j'ai fait ma remise en cause avec le Christ et Jésus, Papa Delongane. Regardez dorénavant lui. Et cette postérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, Kinsuni, Kinitukwani. Eh, Enzambiankenda. Wiza, Wangyalado. Makinza, Meti Kunkwamisa. Mfumwame, Umpuluza. Wiza wanyandalado makinza meti kunkwamisa mbenge zeye mpasiza me mkondolonta nini mumwe. Avant d'avoir un cambe, c'est parce quelque chose là-bas. Suivons. La tadi, la pierre, le stone, the stone, la pierre. Donc, je disais, tantôt, chromosomiquement parlant, cette postérité, s'ils n'avaient pas l'unité spirituelle, ça sera difficile parce que physiquement, l'unité biologique, elle n'est pas naturellement unie. Parce que les chromosomes, disaient, maman VT est venue avec des chromosomes X, maman Kiwa est venue avec des chromosomes X,
C'est pas les mêmes chromosomes. Ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Ce qui peut les réunir, c'est le spirituel. Donc, il faut qu'ils s'élèvent spirituellement. Je prends un exemple. Les sacrements que nous avons dans l'institution de Tadakimbangu, qu'on appelle le baptême, le mariage. Ici, je vais faire état du sacrement du mariage. Quand papa Koututu qui dit, papa Laoche, bonjour, Kiambotikaku, c'est Diam. Quand papa Zoladio Vanga, qui solo Kele, veut se marier, le Christ Jésus, prévoyant qu'il est, il dit bien, Moutakoutou qui dit, Zoladio Vanga, parce que ces deux, ils ont un secret, que leur père, il leur avait dit, d'après les reportages, les témoignages qu'ils ont rapportés, que vous deux, vous êtes interdépendants dans le bien. Mais Lucifer, qui détecte toujours les choses, le Christ Jésus demande à Papa Zoladio Vanga, Michel Kisolokele. Le Christ Jésus, Papa Dialongana, demande à Mouta Martorel Koututu qui dit, vous allez vous marier. Votre sacrement de mariage, venez ici en Kamba. Est-ce que avait-il exécuté cela? Mouta Salomon, le Noyi du Christ Jésus, Papa Dialongan, se marie. La cérémonie finit. Papa Dialongan et le Christ le prévient. Il y a un infiltré qui viendra te solliciter, t'apportera des choses. Prends garde à ces présents qu'il va t'apporter. Est-ce que avait-il exécuté tel que le Christ avait demandé? Moulemi wilanga masé, ditu mwina ngampasi, kadima kutumeto, kama wilanga zindongi zamaseko. Moulemi wilanga masé, ditu mwina ngampasi, kadima kutumeto, kama wilanga zindongi zamaseko. Bubeti boka fuku ye mwini bete muwanga tu wanga ko Bau baiza muku tukula basi tuwa kota munke mwadise Mumona tuena ye vovana ya ungana nijeka tumona munza Kenda zikala yeto ule mbikwi kila vavanza. Le fait de ne pas exécuter ce que le Père demande, et voilà ce qui n'arrivera pas, ne pas arriver, arriva. Le Christ et Jésus, 9 ans durant, le chiffre 9 revient. Il est resté entre 1992 à 2001, 9 ans, qui nous a supporté, que le Christ a porté sa charge pour faire rentrer dans sa bergerie le 100e brebis qui n'avait pu réussir là-bas à Nazareth. Il y a un peu de temps.
Amen. Voilà. Nous revenons ici donc, ici, à Dijon. Soso la tango, c'est un aroningisa. Et oui, mes amis, il secoue partout. Donc, papa et maman, j'ai tantôt le fait de ne pas exécuter l'ordre recommandé par le divin. Papa qui de Lungana Kiangana en l'occurrence, parce que c'est lui qui était resté en dernier. C'est lui, le Christ, donc quand il y revient, il vient faire rentrer dans sa bergerie. Kandadia vwezo kavo, kalwave wangangu kwe. Le Christ est Jésus, papa Dialungana. Le 25 mai, il reprend corps physiquement sur terre. Et donc, c'est lui qui reste en premier, qui accepte ce qu'aurait dû faire Adam le jour qu'il a connu sa forfaiture du coup d'État à l'Éden. Il n'a pas demandé pardon. Et cela s'est accompli en cette quatrième génération, où donc l'homme africain, par l'entremise de son image spirituelle, qui est donc le kimbanguisme. Le 24 décembre 92, nous sommes agenouillés. Nous avons porté des vêtements qu'on appelle ngoto pour nous effondrer devant notre Créateur en sollicitant son pardon. Et ce pardon-là fut donc exécuté. Il fut accepté. Et Papa le Christ Jésus dira, Yalungana, que ce qui était à gauche est allé à droite, ce qui était à droite est allé à gauche. Et depuis là, nous avons retrouvé ses capacités aujourd'hui. En 1994, il dira, Papa Wabala Djompaï, mon fils, tu es mené au zénith. Commence l'enseignement de la science Mandombe. Parce que c'est avec cette science-là, c'est avec l'écriture Mandombe, tout ce que vous aurez besoin de votre bien-être social. Les inventions, vous allez inventer. Ce que vous voyez ici, c'est le monde, c'est le un quart seulement. Mais le trois quarts va sortir de Pakundungu et de Pelegete. Mouna Pakundungu, et Mouna Pelegete. Mouna Pelegete, Mouna Pakundungu. Masonomando Manote, Matondo, Kwanzambi, Naninzambi, Nondo, Tata Kimangu Kiangandi, Mkwatulendo. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin, trois hauts, trois fois hauts. Ô omnipotent, ô omniprésent, ô omniscient. Le Tout-Puissant, quoi tout l'aide. Il vous dit, prenez ça mes enfants. Ndalou zazole mwene, ndalou louvangila diabio, louvouidi, mfounou, mou activité matérielle. Tous ceux dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle pour votre bien-être social. Pas l'importation de la Chine, non. C'est l'usurpation. Pas l'imposant d'Occident. Non, 60 ans aujourd'hui, des intellectuels bébés. Comme a dit Padang dans mon team hier. On a plein d'intellectuels, mais qui n'importe quoi. J'ai Bac plus 40, Bac plus 16, j'ai fait HEC, j'ai fait Sorbonne, Stanford, Yale et consorts. Mpavala, mon âme, pavala. Maon Solomena, mon Yélosilem. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Kimbanguiste, donc africain, l'humanité entière, faisons confiance à sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Mais toujours un peuple modèle qui est donc les enfants de Papa Simon Kimbangu. Nous, Bête Bakimbangu Bête. Monodia Congo, Nyanaglouté la Mambo. Le messager a fui on week-end. We are free on week-end because we got a power. We will win. C'est ce que j'avais dit à Bill Clinton à l'époque. Parce que Obama, quand il viendra à la mâchature, j'ai dit, il répond à ma question.
J'avais dit à l'époque, we are free on weekend. Et lui, dans sa compagne, il dit, yes, weekend. Et oui, il m'a répondu. Yes, weekend, mais attention. Mpoukou mounouni. Non. Kamba d'abord. Nkamba d'abord. Papa et maman, je vais m'étendre. Merci de votre attention. Je reviendrai à d'autres occasions pour le texte de mon confrère, Tata Kekete Mandombe, mon responsable de Mandombe ici en France. L'article est disponible. Allez vous disposer de son livre qu'il a écrit. Il est dit ceci, les chiffres est l'une des plus extraordinaires créations de l'intelligence humaine. Il a fallu de nombreux essais et un temps très long pour que se mettre en place la notion des chiffres. Donc, Ntalou. Ntalou, c'est Ntalou, Luta, donc le bénéfice. Hein? Que nous utilisons aujourd'hui sont le fruit d'une invention progressive. Tout le monde sait que ce sont les Arabes qui ont fait connaître au monde occidental les chiffres. Ces chiffres, donc. Le mot chiffre vient de chiffrer dans le vide. D'où l'expression de chiffres arabes. Mais en réalité, c'est l'Afrique qui est le point de départ de l'évolution de forme de chiffres ou le berceau de la numération avant que celle-ci puisse passer par le Proche-Orient et la vallée de l'Indus, puis le Moyen-Orient avant d'atteindre enfin l'Occident. L'humanité, de son berceau à son épanouissement, a mis des millénaires pour créer des chiffres. Elle est passée de l'expression de la quantité au chiffre en passant par des nombres. Ceci dit, avant de créer les chiffres, l'être humain, donc je n'aime pas l'être humain, je veux l'humain, parce que celui qui est devenu, c'est le chiffre qui est devenu humain, mais nous on est humain au départ. Donc bon, la notion d'être humain et humain est deux choses. Il faut faire le distinguo. Donc l'humain a commencé par dénombrer. En d'autres termes, l'idée des chiffres vient de l'aventure de dénombrement, ou tout simplement de la... Donc, du deuxième moment, je disais tantôt, c'est dans le souci, non seulement de mesurer le temps, précisément pour des raisons d'agriculture, de pêche et de chasse, puis de fabrication d'outils, mais aussi pour distinguer les différentes quantités issues de ces activités ou de la fabrication d'outils que l'être humain avait eu besoin de savoir compter. Sur le plan purement historique, papa Adrien, je le cite, cette aventure de nombre remonte à plus de 23 000 ans avant notre ère, en plein paléolithique. La première et la plus proche, plus longue période de la préhistoire, où l'être humain inventa les entailles numériques. C'est dans le petit village appelé Ishango, à l'angle de lac Idim Amin Dada, anciennement Édouard, et de la rivière Simliki, une des sources les plus lointaines du Nil, que jaillit de ce même lac pour se déverser. Dans le lac Mobutu, en République démocratique du Congo, qui fut découvert, l'os d'Ishango en 1950, par l'archéologue belge Jean de Heizelin de Beaucourt. Cet os d'Ishango, exposé à l'Institut royal de sciences naturelles en Belgique, est le plus ancien instrument mathématique connu, sur lequel sont gravées les entailles numériques. Sa datation proposée au début par Aslin de Beaucourt fut de 9000 ans avant notre ère. Puis l'équipe des scientifiques du musée royal de Tjörveren, qui avait utilisé une autre méthode de datation, la repoussa en 1987 à moins 23 000 ans, trois siècles après la vulgarisation des chiffres par les Indiens. Et ce, au-delà de l'Inde. Un ambassadeur indien fut accrédité à Bagdad en l'an 1713. Dans le but de prendre officiellement ses fonctions, ce dernier se rendit au palais royal
auprès du calife Al-Mansour, 754-775. Le commandeur des croyants, une fois sur les lieux, pour présenter sa lettre de créance. Il profita de l'occasion pour offrir des cadeaux au calife. Parmi ces cadeaux, il y avait un document écrit en sanskrit et intitulé Brahmashfuta Siddhanta, système révisé de Brahma. Système révisé, révisé de Brahma. Un traité d'astronomie avec ses tables écrit un siècle plus tôt, en 628, par un génie indien nommé Brahmagupta, et dans lequel on trouva 10 petites merveilles. Il s'agissait des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec des calculs. Les travaux d'Al-Khwarizmi permirent aux Arabes d'utiliser dans un premier temps les chiffres indiens Nagari, anciens, dans leur forme d'origine. Puis ils apportèrent des modifications qui leur donnèrent quelques variations, puis subirent une évolution. Excusez-moi, je suis désolé, je vais pouvoir terminer mon live. Je vous souhaite bonne journée. On reviendra plus tard pour ce que nous occupons. À bientôt, au revoir, Samanana. J'ai sa divinité, passe-moi gamin. Merci, à bientôt.